Ce monsieur, ah, il est l'un des meilleurs joueurs d'un avant-sueur, sinon le meilleur, hein, parce que c'est vrai que Roland Bitogué. Dans ce genre de match, Anissé est là sûrement dit à ses joueurs d'être aussi patient. Les Panthéros, Nzambé sur le côté. Le bon pied, il va refaire le centre. Ah, ça a été contré. Corner. Les milieux viennent couvrir les milieux défensifs. Il donnera. On repart. Nzambé. Au centre, attention. La frappe à côté. Oh, la frappe instantanée. Couper comme ça un nombre incalculable de ballons cet après-midi. Ce sera un maillon essentiel, un maillon important dans le dispositif défensif de cette formation des Panthéros. Nzambé. Steven Nzambé. Ouais. On va chercher, attention. On refait. Ouais. Après, à partir de janvier, l'équipementier qui l'a accompagné jusqu'alors. Attention, on est devant la surface malienne. Attention, que va-t-il faire? Il va sortir le ballon, le centre, il n'y a personne à la réception. Ah là, il a fait le travail, Jerry Obiang Nzambé. Oh, il a été contré. Ah, la belle chevauchée d'Obiang. Les Gabonais, je vous disais que Jerry est assez taquin, hein, le joueur d'en avant est sûr. C'est lui. Il va faire passer aux Maliens un après-midi inconfortable, je l'imagine. Mais il faut l'efficacité dans tout parce que jusqu'à. Roland Bétougué. Roland Bétougué qui est parti. Il va chercher. Au centre. Contré. Denis Dembélé. Attention. Les minutes s'égrènent inexorablement, impitoyablement. Samson, attention, la frappe, le but. Est-ce que c'est pas le but? Non, c'est pas du tout possible. C'est pas possible. Oh. J'avais vu ce ballon au fond du filet. Oh, mais quelle frappe! J'avais vu ce ballon au fond du filet. Le ballon de Obiang Jerry, le joueur de. Regardez le ballon. Oh, mais je crois que malheureusement. Apparemment c'est sur la ligne. Hein. Apparemment c'est sur la ligne. Mais ce seul plan ne nous permet pas de clarifier la situation. C'est dommage. Mais c'est. On va revoir un peu. On peut revoir. Voilà. On va revoir ce ballon qui percute. Ah non, c'est sur la ligne. C'est sur la ligne. Alors que Cheikh Abdou cadre ici. Inscrit en première période sur. Alors Jerry, tu as marqué un super but face au champion en titre. Raconte-nous un peu ton but. Non, mais mon but était en fait le fruit de toute une semaine de travail. Hein. Nous avons beaucoup travaillé des frappes de loin, surtout moi, parce que le coach savait que j'avais vraiment une bonne frappe de balle. Alors comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu. Bon, c'est juste, j'ai demandé une passe sur mon pied droit. J'ai fait un contrôle du pied droit, je poussais juste du pied gauche et j'ai enchaîné une fois. Félicitations, actuellement c'est le meilleur but et bon courage. Okay.